Bonjour à tous, youtubeurs, youtubeuses, les amis de. J'allais dire les amis de Facebook, les amis de YouTube, enfin les abonnés. En ce dimanche, je sais pas combien, mais 23 on s'en fiche. 23 juin 23 juin 1920. 19 Oui, mais 1919, hein. non 2019. Comment t'allais, View, en ce dimanche? Alors, ce live, ça a été? Vous avez bien aimé? Vous avez fait un gros dodo dans les bras de Morphée? Pourquoi je suis tout jaune? Bah, j'en sais rien, j'ai dû toucher un truc qu'il fallait pas. Voilà. Bah, nous, on a bien dormi, on s'est levé à 8. Enfin, moi, je me suis levé, il a été 8h15. Parce que bébé Blaco, il m'a réveillé, il avait faim. Nous aussi derrière. Et après, la miss s'est réveillée après, quoi. Voilà, le bébé lapin, il avait faim. Et quand j'ai envie de faire un gros pipi, donc voilà, j'en ai profité pour faire un gros pipi. Voilà le débat de dimanche matin. Donc ouais, j'ai une vidéo qui se met, c'est action. Donc avec le temps qu'il fait, bah, ça rame. Donc il se met tout doucement, tout doucement. D'habitude, en 3 heures, c'est déjà fait. Mais là, je sais pas, ça. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, bah, là, on va faire les travaux finis. Produit fini. Moi, j'ai envie de dire les travaux finis. Moi, je suis pas comme tout le monde, moi. Moi, je suis Ouais. pas une lumière, j'ai envie de faire dire les travaux finis, voilà. Allez, tu commences ou je commence? Commence. Petite bougie qu'on avait achetée chez Action. Voilà. Donc, Tu peux parler fort, on est en plein voyez, jour. regardez, elle est. Oh, pas bien. Si, on Elle est voit. pratique. Elle est pratiquement toute finie, hein, jusqu'au bout. Hein. Voilà, il reste pas grand-chose. C'était goût mûr, je crois. Fruits rouges et épices. Elles sont très bien, je vous les conseille. Elles sont pas chères et elles sont très bien. Elles parfument très bien On met tout ça là, on parfument mettra très tout bien la après. pièce. À Pareil, moi. non, je finis ma bougie. Ah. Bougie de chez Glad. Pareil, il reste pratiquement rien au fond. Hein. Voilà. Elles sont très bien ces bougies-là, elles sont très bonnes aussi, je vous les conseille. Glad. À moi. Chez nous, on s'est pris, comme on avait soif, une petite boisson à Cambéry. La marque Granini. Mais c'est bon, mais ça manque de sucre. Comme moi, j'aime bien sucré. Donc ça manquait un petit peu de sucre. Mais sinon, dans l'ensemble, déjà c'était frais. Le bordel était frais. Et c'était bon. Voilà. Il n'y a rien à dire. Je dis pas c'est une tuerie. Hein. Je dis juste, voilà, c'était bon. Voilà, cristalline. Bouteille de cristalline. À 30 centimes la bouteille, pareil, pas trop de calcaire, très terre à bien. Une petite bouteille de Peut-être terre à 52 bien. centilitres et avec un bouchon solidaire, quitte à dire, voilà, c'est un bouchon qui s'ouvre comme ça et qui fait comme ça. Et pour refermer, on fait comme ça et après, on fait comme ça. Voilà. Voici l'écologie de la bouteille cristalline. À toi. Je m'étais acheté chez Action, oui, c'était Sur chez Action, Action. Silariel, les spots. Bon, franchement, c'est bien. Oh non, t'as pas commencé. Moi, c'est au coup de monde, j'ai eu les spots Ariel, très bien. Moi, je l'achète aussi comme ça. C'est la première fois que je la prenais comme ça, par contre. Autrement, je la prends en bouteille liquide. Et Ariel, j'aime bien, c'est une bonne lessive. 13 lavages. Pas cher, Voilà. c'est pas cher C'est et pas la boîte que tu m'as offerte. c'est pas cher et c'est pas cher. Ma chérie, ça peut rapporter gros. Alors j'hésite de garder le bordel, je vais peut-être enlever ça, je sais pas, je vais voir si je vais les garder ou pas pour mettre mes trucs de créa, mes pinceaux, des trucs comme ça quand ils sont un petit peu sales. Je crois que je vais garder pour ça, pour mettre mes pinceaux, les trucs comme ça, à goût de.
Senteur d'Ariel, donc au moins ça, ça puera pas. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Du Crazy Tinger Energy Drink. Sans plus. Je l'ai acheté à Leader Price. Ah, Leader Price. Et sans plus, quoi. Ça, ça vaut le prix, hein, presque 2 euros le bordel. Mais je préfère, c'est vrai, ça, je préfère mille fois le Red Bull. C'est bon, mais voilà. Si je reste sur ma faim, quoi. À part la bouteille qui est très très jolie, c'est pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. Mais sinon, voilà. Enfin, pour ceux qui aiment bien ce genre de boisson-là, quoi, voilà. Voilà, moi, je pense que je ne reprendrai pas. Toblerone chez Action. Alors ça, c'est une tuerie. Bien sûr, Toblerone normal, déjà, c'est déjà une tuerie. Alors celui-là, c'est encore plus une tuerie. Au chocolat blanc. Et il est très bon, je vous le conseille. Voilà. Après, ben... Vas-y. Ah oui, ça c'est Baume à lèvres. C'est les Baume à lèvres de chez Action. Mixa. Oui. Mixa, de la marque Mixa. Très très bonne marque. Bien ou pas bien? Oui, ah oui, ils sont bien. Ouais, c'est une tuerie? Ouais. D'accord, bon bah voilà. Donc vous savez à quoi faire si vous allez à Action. À toi. Je sais même pas si c'est Action ceux-là. Si, c'est Action ceux-là. Ricola. Mon petit Ricola. Ça j'adore. Infusel, bonne nuit. Ça veut dire chaud ou froid. C'est très bien, j'avais acheté chez Leclerc. Généralement, je prends chez Leclerc. Il n'y a que Leclerc qui en a, comme je Carrefour, vous ai dit. Il y en a aussi, mais bon, souvent, comme on va à Leclerc, voilà. Donc, je vous le conseille. Pour ceux qui aiment bien le Ricola. Il y en a un vert aussi, pour c'est pour la digestion, le vert. Et il y en a un autre à base de sureau, mais je ne sais plus pourquoi que c'est. Mais les, bons, mais les trois sont bons. Fruzy sirop de fraise sans colorant, 100% pur sucre, une bouteille de 1,5 litre, très très bien. Comme je vous ai dit la dernière fois, là on s'est repris encore un truc de fraise parce que ça fait deux fois qu'on va à Leclerc, deux fois on trouve pas le sirop de grenadine, parce que d'habitude c'est du sirop de grenadine qu'on prend. Et bah, comme je vous dis, ça fait deux fois qu'il n'y en a pas, donc c'est un petit peu... J'ai passé sous l'an parce que bon voilà, le sirop de fraise il remplace, mais très très bien. Par contre, comme je vous ai dit une fois, le premier travaux fini, faut pas mettre de trop parce qu'il est hyper hyper concentré et très très sucré. Sinon après c'est dégueulasse et t'as beau remettre de l'eau à chaque fois. Mais sinon, si vous aimez le sirop de fraise, je vous conseille, il est très très bien. Chocolat en poudre de chez Leader Price. Très très bon. Il est bon aussi, il n'y a pas de voilà. Il n'est pas cher et franchement. Pas cher et bien. Nickel chrome. Voilà. C'est. Pour moi, c'est pour moi, personnellement, c'est une tuerie. Dim pomme grenade. Grenade. Bah ça va. Il y a pire. Parce que je suis pas trop. Je suis pas très grenade. Mais c'est voilà, je veux pas dire que c'est une tuerie aussi, mais voilà, c'est bon, sans plus, ça se boit très très bien, quand il fait très très chaud, bien frais, et voilà, sans plus, je dirais pas plus. J'en prendrais peut-être oui ou non, je sais pas, mais en tout cas, voilà, sans plus. Cacolac. Bon ou pas bon? Ça c'est très bon le cacolac. Donc c'est une tuerie alors. Ça se boit froid. Très froid, très glacé, c'est très bon. Bah mets-toi bien Cacolac, très bon, c'est glacé. Non, t'as pas fait dormir. Il y a un bar là, ouais. Voilà, donc je vous le conseille. C'est bien marqué, j'étais moi avant. Hein. Ça colle. Ça te colle. Oh, j'ai pris ma douche. Oh. Comme vous savez, les Félix, il n'y a rien à dire. Blacko Mouse, au bureau, pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, vous avez entendu, voilà. Ils ont dit c'était très bien et il nous a dit aussi laissez-nous tranquille, on dort. Voilà. Ils font la sieste. Bah c'est pareil. C'est les mêmes ceux-là. Encore Félix, mais ça c'est de c'est Action. Et paquet là. Oui mais c'est les mêmes. Là. Voilà, chez Action.
Non, la boîte, c'est les mêmes, je crois. Non, c'est une autre sorte. Mais ceux-là sont de chez Action. Celui-là, des. Non, c'est pas. C'est Action, celui-là? Non, ça, c'est le clair. Ah oui, ça, c'est ceux qui sont à un seul goût. Et ceux-là, c'est. Oui, voilà, ça, c'est Action, ceux qui sont à un seul goût. Et ceux-là, il y a deux goûts dedans. Voilà. Et pareil, les deux chats, ils en rappellent. On va continuer sur les chats. Whiskas, pareil. Ils adorent, ils kiffent. Ils aiment bien. Bah, non, pour moi, c'est tout. Les chats. Ah bah si. Bah, c'est pas grave. Ça, c'est les peach aux pommes. Ouais, très très bon. J'ai acheté ça très chez bien. Carrefour, je crois. Ouais, Carrefour, ouais. Carrefour. C'est un tout petit peu cher, mais ça va. Ça... Il y en a 8 dedans et franchement, c'est bon. On les a dégommés en 2 jours. Ça se laisse manger. Voilà. Très très bien. Non, moi. Le soda orange. C'est quand j'ai plus mon coca, quand ils en meurent. Quand ils en remettent plus, je prends le soda orange pour 1,5 litre. Et bah, je dis pas que c'est une tuerie, mais ça se boit. Voilà. Ça se boit, ouais. Ça se boit tout simplement. Sans plus. Ah, les bonbons, on n'a même pas goûté. Donc, je peux pas vous dire parce que je les ai achetés. C'est Dain, la marque Dain? Oui, je les ai achetés chez. Nose. Action. Dame là chez Action et on les a même pas encore goûté. Ouais. Donc je peux pas vous dire. Bah, à mon avis, mais voilà, bon, moi j'avais des gens qui m'avaient dit que c'était bon. Donc voilà, on leur fait confiance, voilà. C'est bon. Donc voilà. Le chili con carne de la marque Toc du Chef, avec ses petits poivrons, ses petits oignons, avec en garniture du riz. Ça c'est mon petit plat de travail, ça c'est chez Lidl. Une tuerie. Je crois que je vous l'avais dit déjà pour la première vidéo qu'on a fait. Franchement c'est très très bon, chaque fois je me régale avec ça. Donc je vous le conseille. C'est caché burger à l'oignon qu'on a acheté chez Carrefour, il me semble. Ceux-là. Bah, ils sont bons. Ouais, c'est Carrefour. Franchement, ils sont bons. Hein. On sent bien l'oignon et tout. C'est... Je vous les conseille, vous allez à Carrefour. Ils sont pas mauvais. La marque Isla. Bah, c'est... Je vous les conseille. Nouvelle recette, apparemment. Ouais, c'est très bon. Voilà. Toujours dans la marque Toc du Chef, les croissants au jambon. Ça, une tuerie. À chaque fois, on les prend et franchement, aussi, on les. Bah, ils font pas l'enfeu parce que bon, on les mange comme. De toute façon, on a le doute. Voilà, c'est, bon, c'est dommage qu'il y en ait deux. Ils devraient en faire par 4. Ça serait bien. Parce qu'un seul, c'est tellement bon que même pas en un quart d'heure, le plat est fini. Ça, avec une petite purée ou une petite salade verte avec des petites tomates et de l'huile d'olive. Et des échalotes, c'est très très bien. Voilà, bon, je vous le conseille. C'est super bon, c'est une tuerie. Mini donuts qu'on a acheté chez Action. Pareil, très bon. Ouais, très bon. Très bon. Il y en a très, six très bon, dedans. Hein. Rien à c'est dire. Des mini, hein. C'est des petits sachets, il y en a deux par sachet. Ouais. Franchement, c'est bon. Ouais, moi, je les trempe dans le café. Il y en a la fraise aussi. Justement, on en a acheté la fraise, c'est pour la prochaine vidéo d'Action, on va vous les montrer. Mais on n'a pas encore goûté, mais ceux-là ils sont très bons. Ouais. Voilà. C'est une tuerie. Enfin pour nous. Hein. Toujours dans mes plats de boulot, Picard, de la marque Picard, du magasin Picard, des tagliatelles à carbonara. Rien à dire. Une tuerie, je me suis régalé. J'ai même rajouté un petit peu de ketchup, parce que moi j'adore les pâtes comme ça, carbonara, en rajoutant du ketchup, j'aime bien. Et franchement, voilà, comme je vous dis, il n'y a rien à dire, c'est super bon. Surtout Picard, ils font toujours des super bons produits. Yaourt Leader Price, yaourt crème aux fruits rouges. Super bon. Voilà, il y en a 8 dedans. Il n'y a rien à dire. Très bon, ils en font aussi aux fruits jaunes. Ouais. Parce que je sais parce qu'il y a la poire, non, c'est pour ça que j'aime bien ce que les fruits jaunes, il y a la poire aussi. Mais moi j'aime bien fruits rouges, donc... Et bah, je vous les conseille, chez Leader Price. Ils ouais, sont très bons. Ils sont très très bons. Ils sont à 2 euros 10 poussières, mais ça vaut le coup quoi.
En plus, il y a des gros morceaux de fruits à l'intérieur et c'est super. Ma petite salade piémontaise de la marque Salédinette, ça je sais pas où est-ce qu'on l'avait eu, Lidl. Lidl, très très bon. Moi, tout ce qui est piémontaise, que ce soit jambon ou sans jambon ou avec du thon machin, c'est super bon. Mais je vous ferai une recette parce que j'avais déjà fait, Oui, on l'a fait avec des saucisses de Strasbourg. j'avais fait une fois avec des saucisses de Strasbourg et enfin, pour moi et Cécile personnellement, on s'était régalé. Oui, c'est très Bon, il bon. faudra qu'un C4, comme il fait chaud là, il faudra que je refasse mes petites salades maison. À toi. Les devinettes à chaque fois. Les petits chinois, oh, sont bons ceux-là. Les repas, Ah oui. ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Il y en a quoi, il y en a quoi là-dedans? 6, je crois. 6, je 6 crois. 6 petits chinois fourrés à Ouais, la à la crème crème pâtissière. pâtissière. Ça, c'est une tuerie. Hein. Faut Ouais. pas mettre la main dedans, c'est fini après. Voilà. Bon, il n'y a Voilà. pas Quoi? énorme crème pâtissière, mais ils sont Il n'y a pas énorme, mais il y a ce bons. qu'il faut. Voilà, les d'Orpaille, je vous les conseille. C'est Voilà. bon. Très, très bon. De la marque Selekeko, une petite salade bol. Je ne sais même pas pour qui on a pas ça. Pour toi ou pour moi? Là, c'est Lidl, ça. On avait pris. Non, on avait acheté chacun une. Ah oui, bah pourquoi Petite il n'y a pas salade. le tien? Jambon et mental, c'était toi? Oui. Donc, bon ou pas bon? Ah oui, moi j'ai bien aimé. Ouais, bah Elles sont voilà. bonnes leurs salades là-bas, les d'Orpaille. Voilà, c'était. Lidl, Lidl. Voilà, c'était bon. À toi. Cranberry mix, c'est quoi ça? Mélange de noix. Ah oui, Voilà. c'est ce que j'ai Oui, c'est tes acheté trucs, à ouais. Action, qui sont sous vide. C'est des fruits secs. Il y a mélange de noix au canneberge. Oh, ça c'est pareil, mettez pas la main dedans. C'est une tuerie. Franchement, faut si vous y allez, prenez-les parce que c'est trop bon. Voilà, ça s'appelle comme ça, Cranberry Nut Mix. Toujours de la marque Selekeko, bah justement Toujours à Lidl. la deuxième salade. Pour moi, je m'étais pris du thon, œuf, tomate et sauce cocktail. Pareil, une tuerie. J'ai bien aimé, je me suis régalé. Voilà, avec un bon petit paquet de chips. C'était très très bon. Fais-tu bien une petite salade de temps en temps, ça change. Cappuccino à Lidl. Ah, à Action, il est très Oui, ils bon. sont très bons, ouais. Je vous recommande. À chaque fois, on en prend un petit Très paquet de bon temps en temps. cappuccino classique. Il Ouais. est très bien. Je m'en suis racheté là. Donc Part qu'il il est très n'y en bien. a pas beaucoup dedans, c'est un petit peu dommage. Il n'y a que 4 ou 5 Tu paquets dedans. rigoles ou quoi? Ah non, il y en a Tu le 10, non? sors, il y en a 10, je crois. Ah oui, ouais, je me trompe avec un autre paquet. Voilà, je Ah vous mais ça part conseille. vite aussi, hein, tu sais, t'en prends un tous les jours, on est deux, ça va vite. Ma matière grasse végétale 800 grammes, c'est la margarine que je prends tout le temps parce que voilà, C'est à pour moi je la Leader trouve très celle-là. bien. Ouais. Au niveau de la cuisson, elle est très très bien et moi je m'en sers en guise de tartine le matin à tartiner. C'est très très bon. Allez, bon, c'est un petit peu légèrement un petit peu pâteux vers la fin, mais tu barbigeonnes des confitures. Et franchement, c'est très très bien. Excusez-moi. Bon, après, c'est quoi ça? Surprise. Pomme de terre. Ah, c'est des pommes de terre, vous faites pas mes comptes, celles-là? Oui. Ah bon? Ah non, ça c'est pomme C'est de des terre vraies, normale. ça. Pommes de terre achetées à Leader Price. Oui. Achetées à Leader Price. C'est les nouvelles pommes de terre. Voilà. Je ferme du Plessis Grand. Commandé pour four potage purée, pommes de terre. Bah, c'est les fameuses patates, je sais pas si vous vous rappelez de la première vidéo qu'on a fait du live, que je vous ai dit, c'est marrant, ça sent le cramé. Bah, c'est ça, c'est les patates là. Oui, c'est Mais vrai. on les a mangées, hein, bon, ça va, ça a été, ils étaient pas trop trop cramés, ça avait juste un petit peu collé, Donc, heureusement. On a eu de la conseil, je te chance. les conseille, ils sont Mais bonnes. j'étais bonne. Elles sont bonnes. Voilà. Toujours pour mon travail de la marque Top Chef, les pennes au poulet sauce pesto. Ça va, je me suis régalé, c'était très très bon. Je dis pas c'est une tuerie,
Mais je me suis régalé, c'était bon. Voilà. Donc si vous aimez le pesto, si vous aimez ça, bah, il vous suffit de le tester. Oui, moi j'aime pas. Ah, ça c'était au magasin Spar. Ouais, Jus de très bon. fraise. Très très bon. Ouais, on a goûté, franchement, enfin, on n'en a plus d'ailleurs. Ouais, il y a plus longtemps qu'on a Et fini. ben, très bon jus de fraise, je vous conseille. Ça c'est chez Spar. Mais bon, vous pouvez le trouver ailleurs aussi parce qu'il y a la marque Casino. Donc, je pense que Casino aussi. Ah. On s'était pris des compotes allégées, pommes fraises, je pense que c'était de 400 grammes, 400 grammes. C'était chez Lidl aussi, ça? Ah, Lidl, pardon, mais comme ils en font un peu partout. C'est ceux-là. Et franchement, très très bon. Je dis pas. Je pourrais peut-être dire c'est une tuerie, mais bon, t'en as quoi, ils sont encore meilleurs. Mais voilà, c'est j'aime bien aussi. C'est très très bon. Très bien. Très bon, très bien. Cassoulet, bah, j'ai pas c'est moi qui l'ai mangé cassoulet. Une tuerie. Bah, comme vous savez, je vous ai dit hein, sur le live, j'adore le cassoulet, que ce soit au Leader saucisse ou canard ou boubanette, et j'adore ça. voilà, C'est une c'est tuerie. Pour ceux qui aiment le cassoulet. Cécile, elle s'était pris ah, j'en aurais deux les d'ailleurs. pommes poires Franprix. Tuerie ou pas tuerie? Ah, mais j'adore ça, moi, la poire déjà. Donc. Ouais, mais est-ce que c'est une Non, tuerie ou c'est juste c'est comme bon, ça? c'est très bon. En plus, il n'y a pas trop de sucre dedans. Voilà. 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 Les neuf, Des nœuds neufs. les cocos, Très mais bien. ça, Bah, c'est voilà, pareil, hein, ça reste des œufs. Hein. c'est Des œufs, ça reste des Leader Price, œufs. ça arrive. Voilà. Voilà, Des les œufs, neuf, ça reste des œufs. les cocos, les neuf. Des nœuds neufs et coco nœuds neufs. Bah tiens, regarde, tu veux chercher une bague de mariage? Regarde, il y en a une là. les côtes de porc d'Échine. Elles sont bonnes. Une tuerie. C'est C'est Lidl. Lidl, ouais. À chaque fois qu'on va à Lidl, à côté de l'action, à Schoenwert, et ben on en prend, on essaie d'en prendre quand il y en a. Une tuerie, très très bon. Rien à dire. Mais t'es pas sûr parce que le truc il tourne, Ah hein. bah je pioche, moi c'est la surprise dans ma boîte. Salami chez Spar. Très bon. Il est très bon Ouais, aussi. franchement, rien à dire. Très très bon. Voilà, c'est La marque bon. Casino, Au très bon. revoir. Après, Ah, bœuf bourguignon. Ça c'est pas moi qui l'ai mangé. très très non moyen. Chez J'ai Lidl. pas trop aimé. J'étais je dis pas j'étais déçu mais Pourtant il a l'air d'être bon. non parce qu'il y a des carottes, vous savez, moi j'aime pas les carottes. Ah bah bœuf bourguignon, il y en J'aime a. pas les carottes. Mais voilà, sans plus. Mais Sans je pense plus. que je m'en prendrai pas. Voilà. Après, choupa-choups, ah bah d'abord les a, oui, mais On les a, on mais n'a pas goûté on les a pas encore. encore goûtés. Chez Action, voilà, je pense que c'est qu'on C'est comme connaît la je me choupa-choups. suis je m'étais acheté la petite boîte en ferraille pour les bonbons, donc Je j'ai la tout mis dedans. conseille. Après les trolleys, les Bah ça c'est toi petits ça. petits verres. Ah, ça c'est trop bon C'est ça. les vers de terre. Pour C'est ça on une en a tuerie plein. chez Action, ça. Petit bonbon, c'est très bon. Pour ça quand on fait caca, c'est le caca de arc-en-ciel qu'a fait. Mes petits coca que j'arrive pas à retrouver chez Action. Et celui-là, du coup, je l'avais pris chez Lidl. Lidl, ouais. Et voilà, moi j'aime bien les petits bonbons comme ça. Ouais, Coca. mais bien ou pas bien? Ah si, ils sont bons, moi Ouais, j'aime bien les ils coca. sont pas dégueux. Ouais, après, Piémontaise. Bah, t'as déjà fait. Ouais, bah une deuxième Bah, c'est la pied. même, de toute Ouais, façon. deuxième piémontaise, voilà, Voilà, donc une c'est tuerie. bon. Très bon. Après, escalope de dinde à la milanaise. Oui, très bien. Par contre, pas assez de pâtes. J'étais un petit peu déçu. Ah, ils vont pas te faire des plaques Il y comme ça. a vraiment la viande, c'est vous avez un bon morceau de viande, ça, il n'y a pas de problème. Mais les pâtes, c'est pour un gamin de 5 ans, voilà. Il a mieux fait mettre un petit peu plus de pâtes. Heureusement, j'ai rajouté Bah, leur rajouter. des avocats, machin, parce Ses que collègues, ils le nourrissent. Alors. puis mes collègues me nourrissent, donc voilà, je suis pas Si, assez c'est gros vrai que je pour eux. nourris pas. Donc. Voilà. Ah, Mais ouais. je vous le conseille, c'est une tuerie. J'aime bien. Après. Pioche. Les poissons cabillauds, Très très ça bon. c'est, je sais plus où c'était. Bah c'est Lidl aussi ça. Ah oui, Lidl, oui. Bah, Très bon. ils sont très bons. Ouais, très très bon, rien à dire. Petit
qui est vieux que je mange pour moi. Rien à dire. Après, c'est la devinette. Hein. Cuisse de poulet. Ah oui, qu'on a pris chez Spar. C'était 1€. Ah oui, 1€, ouais. Ouais. Alors apparemment, apparemment, il y a une abonnée. Elle a dit que les cuisses, c'est toujours 1€. Ouais. Voilà, ils ont toujours le enfin, ils ont toujours des... ils ont toujours au même prix en fait. Ils ont donc, de temps en temps, ils font des produits dans le mois où ils vont lâcher les prix. Les prix. Mais apparemment, notre abonné, elle a dit que c'est les cuisses de poulet, ils étaient toujours à 1€. Ouais. Et donc très très bon. Elles étaient bonnes. Ouais, rien à dire. Poulet rôti, duo de tomates des wraps, ça c'est toi qui as mangé. Les petits wraps. Oui, très bien. Très très bien. Très bien. Alors, ça, j'ai bien aimé. J'ai acheté ça. Bah pareil à Lidl. Il y a beaucoup de Lidl dedans. Lidl ça ? Oui. Ah oui, Lidl. Il y a beaucoup de Lidl. Sauce César. Ouais, franchement bien. Oui, j'ai bien aimé, c'était pas mal. Après. Ça c'est pas mal. De chez Action. Chez Action, ils sont bons. Ça va, très bon. C'est, ça va, sans Très plus. Bon. Voilà. Très très bon. Pas Casino, Chicken Wing. Nature. Très bon aussi. Pas Casino, c'est Spa. Spa. Ça va, je me suis régalé. Ceux-là, je les avais mangés à la maison du fait. Mon jus de poire. J'adore. Trop bon. Leader Price, c'est trop bon. Voilà. Le jambon. Bah, pareil, hein, très bon. Hein. Pareil, très bon. 4 tranches. Bah, ça reste du jambon, quoi. Très bon. Saint-Albi. Mon jus de kiwi. Kiwi pomme, je crois.